Brady, c'est Burnett. Je suis désolé pour l'équipe de Ned. Leur meurtre est en violation de toutes les conventions sur le traitement des prisonniers. Mais ça veut dire que t'as causé ce bain de sang pour rien. Au moins, les fournitures que tu m'as trouvées soignent beaucoup de monde. Ils auront pas l'occasion de te remercier, alors je le fais pour eux. Mais franchement, est-ce que ça en valait la peine? Il y a Alpha, ici Tony. Du nouveau? On vient d'attaquer une patrouille Norco. Impossible de leur soutirer la moindre information sur les coordonnées de Walker. On a dû décamper dès que les renforts sont arrivés. Faites gaffe à vous, les gars, sérieusement. Jouez pas les héros. Dès que vous trouvez quelque chose, vous appelez les renforts. Tu t'inquiètes pour moi, Philly Alpha? Je m'inquiète surtout pour les 10 dollars que tu me dois. Non, continue de chercher. Mais ne faites pas n'importe quoi. Si on fait au beau milieu de la nuit, ça devrait être moins risqué. Votre arme est votre meilleur allié. Ces messages ne racontent que des conneries, blabla condescendants sans intérêt. La clé de ces messages, c'est pas la qualité, c'est la quantité. J'attends vos ordres. C'est d'accord. Dommage que j'ai raté. Hey Brady, Barish vous cherche. Il est avec Dana dans la salle de crise. Chaque jour où on survit est une petite victoire contre les Norcos. Hey Brady, il paraît que vous êtes... Très bien. Reviens-nous. Il a des fiers. Un homme.
pensé qu'on l'aurait localisé. Qu'on aurait une piste. Et s'il l'exécute, comment on va lancer une révolution sans Walker? Les gens ont besoin d'un héros, d'un leader à suivre. Ça dépend pas de nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à se battre. Tiens, salut Brady. Bien. Tu te débrouilles sacrément bien. Je ferais bien de me méfier, tu vas finir par me piquer ma place, sinon. Ouais, ça nous changerait d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Très drôle. Oula, qui a appelé les secours? Eh, hey, ça va, Doc? Quel bon vent t'amène jusqu'ici, Sam? Quelqu'un t'a dit qu'on avait trouvé des pansements? Écoutez, Crawford a envoyé un message. La PC est au courant pour l'armurerie. Ils vont donner l'assaut. Putain, tu te fous de moi? S'ils frappent l'armurerie, on est foutus. On perdra les armes et tout le matériel. Faut que tu préviennes tes hommes. Ils peuvent encore évacuer. Pas sans les armes, on en a besoin pour l'insurrection. Pas question d'affronter les Norcos à la petite cuillère. Non, non, il faut déplacer tout le matos. Et trouver une autre planque. On devrait les prendre à contre-pied, les attaquer par surprise avant qu'ils donnent l'assaut. Ouais. Et l'évacuation prendra du temps, de toute façon. Faut temporiser la situation. Ça m'a tout l'air d'une embuscade. Ouais, mais au moins, on a tout un tas d'explosifs de notre côté. Il va pleuvoir des bouts de Norcos jusqu'à Pyongyang. T'aimes les feux d'artifice, Ethan? Tu trouves ça drôle? Ça te fait rien de plaisanter sur un massacre? Écoute, Doc, mon éthique à moi, c'est de ne pas faire dans la dentelle, c'est vu? Et où est-ce qu'on va planquer les armes, hein? Faut trouver un endroit sûr. Plusieurs endroits, ce serait l'idéal. Doc, on va avoir besoin de tes dispensaires. T'es malade? Excellent. Quand la révolution va commencer, tout le matos sera pile là où on en aura besoin. Non! Si les Norcos viennent à le savoir, ils tueront tout le monde. Des vies sont en péril. C'est pas l'idéal, Doc, mais c'est la guerre, putain. J'ai passé 4 ans à mentir, emprunter et voler pour mettre ces dispensaires en place. C'est déjà prétentieux de les appeler comme ça. Mais c'est tout ce qu'on a. Tout ce qui reste à la population. Écoute, on sera prudent, Sam. On n'a pas d'autre choix, désolé. Va au diable, Jack. Merde. Quel discours. J'en ai la larme à l'œil. Bon. Prends-toi à l'armurerie pour préparer l'embuscade. Avec Dana, on va rassembler autant de combattants que possible et on te rejoint sur place. T'éclate pas trop sans nous, Ethan. Écoute, retiens-les jusqu'à ce qu'on débarque avec les renforts. On doit absolument cacher ces armes en lieu sûr, c'est compris? Je compte sur toi. Amène-toi, Dana. On y va. Je briefe mon équipe et je vous retrouve là-bas. Tout le monde sur le pont, on aide à des emmerdes. Rendez-vous au dépôt d'armes sur le champ. Allez, Brady, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde au dépôt de Ned. Et vite! Si on perd le dépôt, la résistance est dans la merde. Vous êtes avec moi? Il va vous falloir quelque chose de plus costaud, l'ami. Prenez ce lance-roquette. Là, ça va costaud. Ned et ses hommes. Ned est dans la merde. Rassemblez vos affaires. On doit y aller et voir ce qu'on peut faire. Allez, faut qu'on s'active. Ok, je suis prêt. On est là. Ici Ned avec toutes les équipes. La PC est aux portes du dépôt. Il nous faut des renforts. On essaie de faire sortir les flingues, mais si on n'arrive pas à les repousser, on va tout perdre. Amenez-vous si vous pouvez. Ned, je t'envoie Brady et tout le monde disponible. Dana et moi, on va rassembler nos équipes. On arrive dès que possible. Tenez bon, il nous faut ces armes. On frappe le plus.
chargent encore les flingues dans les camions. Trouvez un moyen de les occuper plus longtemps. Oui, oui. Ah, merde. Ok, mais poussez votre cul. Brady, putain de merde. On a besoin d'aide. On doit retenir les Norco jusqu'à ce que Ned puisse charger les flingues. Allez. Ned, on peut pas les retenir. On va devoir se replier. Ned charge encore les flingues dans les camions. Trouvez un moyen de les occuper plus longtemps. Putain de merde. Ok, Ned, mais bougez votre cul. Brady, putain de merde. On a besoin d'aide. On doit retenir les Norco jusqu'à ce que Ned puisse charger les flingues. Allez. Le premier camion est parti. Bon boulot, les gars. Continuez comme ça. On doit faire gagner plus de temps à Ned. Attention. Ned croit qu'on peut faire temps comme ça. Deux autres camions ont pris la route. Il nous faut encore un peu de temps. Les gars, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Venez me rejoindre. On va les repousser d'ici. Ils arrivent à passer! Repli! Protégez les camions! Non!
Impossible de vous rejoindre. Dana, vous en êtes où? Y'a pas moyen de passer. Les dirigeables sont partout. Ok, on va évacuer les flingues, crever en essayant. Encore un camion chargé. On a sorti presque toute l'artillerie lourde. Continuez de vous battre. Où sont passés nos renforts? Vous pouvez pas de Paris. On n'a aucune chance. Ned, faut qu'on se tire, putain. Comment on va faire
Regarde, Gustavo est encore en état. Ça fait des mois qu'Ezer en cherche un. Il est mort! Il est mort, putain! Wow! On a réussi! Brady, vous êtes une légende! C'est tout bon? Bon boulot, Brady. Tire-toi maintenant. Dès que tu peux, amène le cerveau au métro. Allez, c'est pas riche. Il paraît que Ned s'en est pas tiré. Putain. Je suis désolé qu'on soit pas arrivé à temps. La PC nous a attaqué aussi, mais quelle importance. Ces excuses ne ramènent pas les gens. Je sais pas comment on va faire sans lui, mais on doit tout faire pour que sa mort soit pas vaine. Si tu peux ramener le cerveau, ce sera une grande victoire pour nous.
armés pour faire de grandes choses. Juste de quelques dégoûts. Brady, contente de vous revoir. Je crois que Burnett vous cherchait. Ned était un type bien. On pourra jamais remplacer les armes et le matériel qu'on a perdu aujourd'hui. En combattant pour son peuple. Tu t'en es sorti. Peu ont eu cette chance. Ned et presque toute son équipe sont morts. Je me tourne vers l'avenir, Brady. Et dans cette obscurité incertaine, je vois une vaste constellation de lumière. Les bonnes actions, la joie et l'amour que nous répandrons tous au cours de nos vies. Chaque mort dans ce conflit éteint ses lumières. Et l'avenir s'assombrit pour nous tous. Je veux juste m'enfuir à toutes jambes. Mais j'entends un cri de douleur. Et j'en suis incapable. Je dois essayer d'aider. Faut que je me remette au boulot. Essaie de te reposer. Salut Brady. J'espère que vous avez pu vous reposer. Si vous cherchez Parrish, il est dans la salle de crise. Ouais. On voit plein d'éclairs.